Amis de la compo et du VST, bonjour. Alors, vous venez d'entendre une musique que j'avais composée pour un court-métrage destiné au concours international de composition de musique de film organisé par Montréal en 2022 et sur lequel j'avais remporté le premier prix. La vidéo d'origine, elle est quelque part sur ma chaîne guitare, hein, puisque à l'époque, j'avais pas encore fait la chaîne sur laquelle vous êtes en ce moment, la chaîne en bleu, qui est la chaîne des tutos de musique cinématique. Bon, là, en tous les cas, je vais tenter de faire un tuto, mais je sais pas du tout ce que je vais dire. J'ai juste ressorti un vieux projet que je vais redécouvrir en direct avec vous. Et voilà, je vais improviser. On va voir, c'est parti. Alors, le projet en lui-même, on peut regarder un petit peu la template. Elle n'est pas trop chargée encore, ça va. On va regarder un petit peu les différents VST. Là, je pense que j'ai des choses intéressantes à dire. Et après, on va essayer de regarder la structure de la musique par rapport au film. Alors, juste avant, je voudrais faire écouter un petit peu le film sans la musique, ne serait-ce qu'un petit bout, pour vous faire entendre que les bruitages sont assez faibles dans ce court-métrage. Voilà, là on entend le vent, on entend des bruits de pas, on entend une ambiance extérieure, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun dialogue. Voilà, on entend juste du vent, on entend... c'est très très discret au niveau des bruitages. Et donc, j'avais pensé donc à respecter ça, c'est-à-dire à ne pas faire une musique qui écrase trop non plus le peu de bruitage qu'il y a en fait. Voilà. Respecter quand même le bruitage, le vent, tout ça. Voilà. Bon, l'histoire, c'est une jeune fille qui rêve, elle fait un rêve un peu bizarre au début. Elle est dans une forêt dans la neige. Et puis elle se réveille. Et puis, à un moment donné, à la fin, elle se retrouve elle-même dans son propre rêve. Voilà, je fais un gros résumé. Voilà. En tous les cas, je salue l'actrice qui a tourné en petit chemisier en plein hiver. Alors, on va passer au VST et on va les regarder un par un. Mais je vais déjà un petit peu spoiler le truc, si je puis dire, c'est que... Moi, en voyant ce film un peu mystérieux, c'est une histoire assez étrange, hein, j'avais tout de suite pensé à utiliser Solstice de Spitfire. Je vais y revenir après. Alors là, bon, je vais passer vite fait, mais on voit qu'il y avait une flûte, je crois que c'est une flûte basse, une harpe. Voilà, bon là, je vais passer, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Ensuite, on a un piano, on va écouter ça, et on va regarder... Donc voilà, c'est le piano noir, ok. C'est un piano. Ensuite, on a le piano glacier, qui est une sonorité assez froide en fait, hein, qui était plutôt bien approprié pour ce style d'image. Il est très marqué au niveau de l'attaque, mais il y a aussi des harmoniques derrière. Alors là, on a le piano cloud dans Contemporary Drama. Alors c'est un VST que j'utilise souvent, ça. Il est vraiment bien pour l'ambiance. Ouais, il y a beaucoup de reverb, c'est très spacieux. Alors, on va écouter les trois différents pianos ensemble et on va regarder ce que ça donne avec l'image. Alors, je m'excuse par avance du mauvais mixage. En fait, là, j'ai pas... Alors, je fais une parenthèse. Là, j'ai pas le projet initial. Le projet initial avait été fait sur un ancien ordinateur. J'ai changé d'ordinateur entre-temps. J'ai réexporté le projet. Enfin, j'ai perdu en fait mon mixage.
Donc j'ai toujours mes nuances, j'ai toujours mes sons, mes VST, mais par contre j'ai perdu, pour des raisons un peu compliquées à expliquer, puis c'est pas le sujet de la vidéo, j'ai perdu mon mixage avec les différents niveaux de volume. Je crois même que j'ai dû perdre, parfois il devait y avoir plus de réverb normalement, bon c'est pas grave. Mais donc désolé pour le mixage qui est peut-être pas bien au point. Par contre ce que vous avez entendu en tout début de vidéo, là au montage, j'ai collé la vraie version mixée, voilà. Voilà, vous avez entendu au début la vraie version telle quelle. On continue. Là, je vois un violon trémolo. Ouais, d'accord. C'est dans la collection de Spitfire des cordes solo. Alors, je pense que ce violon il va sonner de manière un peu étrange. Voilà, on écoute un autre passage. Voilà, là c'est vraiment parfait ce style d'ambiance instrumentale pour ce genre de film, hein, vraiment, vraiment étrange. Alors j'ai dit que j'avais utilisé Solstice de Spitfire, mais pour l'instant on ne l'a pas encore rencontré. Mais ça va venir. Je rappelle que je redécouvre un travail que j'ai fait il y a 2 ans en arrière et je ne me rappelle plus du tout de ce que j'avais fait. Donc là on a toujours des cordes solo, short spiccato avec un alto. Voilà. Là, ça aurait été un peu ridicule de mettre des cordes en ensemble avec un effet peut-être un peu épique ou orchestral d'ensemble. Là, on est encore une fois dans un petit film. Il y a un phénomène, enfin, il y a un scénario. On est dans un petit film, il y a un scénario étrange. Et voilà, on n'est pas dans quelque chose d'hollywoodien avec un super-héros. Voilà, c'est très humble finalement. Comme production et ce qu'on peut voir à l'image, mais du coup c'est bien dans ces cas-là de laisser des cordes solo, je trouve, et je trouve que les cordes solo ont un impact plus étrange et mystérieux que si ça avait été en ensemble. Les cordes solo, c'est bien pour marquer, renforcer un côté mystérieux, étrange, plus que des cordes en ensemble. Alors, bah là, on a encore un violoncelle solo, donc. Violoncelle solo, on écoute ça toujours de chez Spitfire, mais il va falloir qu'il me sponsorise Spitfire. Voilà, hein, les cordes solo, on entend vraiment bien le vibrato. Bon là, il y a plusieurs notes, mais ça reste quand même un violoncelle solo, où on entend beaucoup plus d'expression que si c'était en ensemble. Voilà, on n'est pas là pour faire de l'effet avec du gros son. Voilà, on est dans quelque chose de sobre à l'image. Donc, on reste sobre au niveau orchestral, sans mettre du gros son. Alors, on continue avec un solo de contrebasse. Et donc, un solo de contrebasse, toujours dans la collection des cordes solo. On n'est pas encore dans Solstice, mais ça va venir. Voilà, pareil quoi, une contrebasse solo. Bon, là, il y a deux notes. On va dire, c'est comme s'il y avait deux contrebasses. Hein. Mais ça reste un instrument solo. Voilà, et ça renforce vraiment le côté mystérieux, étrange, et pas le côté épais, épique, du gros orchestre. Ah, là, je vois que j'avais mis des voix. Ah oui, alors oui, c'est ça, oui, ça me revient. Donc, il y a des voix. Non, c'est pas ça. Donc là, ce sont des jeunes filles, des filles, des enfants. On va écouter ça. Avec la syllabe bouche fermée, donc, hein, qui est très. Alors, c'est vrai que ça a toujours une connotation mystérieuse, étrange, féerique aussi. Parce que là, j'ai parlé pour l'instant on l'a pu voir que c'était un film un peu étrange, mais il a un petit côté féerique aussi, je trouve. En tout cas, moi, je lui ai donné une petite couleur féerique. Et du coup, bah, les chœurs d'enfants, c'est parfait. Ça donne un petit côté féerique, étrange et féerique. Et après, ce qui peut donner un petit côté aussi un peu féerique ou étrange, c'est aussi l'harmonie dans la musique. Alors, ensuite, enfin, on a du solstice depuis le temps que j'en parle. Donc le solstice, je pense que
Ce VST, c'est vraiment ça qui a donné toute la valeur, je trouve, à la musique. C'est le VST Solstice. Vraiment, il m'a été très utile là, vraiment. Alors, on va écouter les voix de Solstice. Je sais qu'elles sont assez particulières. Bon, là, c'est plutôt un effet pour l'instant. Voilà. On est sur une seule note et avec une note qui fluctue. Ensuite, je vois qu'on a des accords, hein, enfin plusieurs notes. Moi, je suis fan, hein, vraiment, là, que je réécoute là. Je m'envoie des fleurs, hein, mais je trouve vraiment ce son vraiment bien trouvé. Je pense que j'ai gagné le premier prix grâce à ça, honnêtement. Parce que le son, là, à ce moment-là, il est super. Hein, et je pense vraiment que ça a plu, ça. Et j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai gagné sur ce court-métrage. Et je pense que c'est par rapport à ce VST qui a été bien trouvé. Et je pense qu'il y a une deuxième raison. Je peux en parler tout de suite, mais j'ai démarré toute la musique, elle est en mineur. Et à partir du moment où la fille, elle se retrouve dans son rêve, là, on est en majeur. Je pense que le petit truc, il est là, je pense. Et les sons, les voix sont juste extraordinaires. Alors, je vois que j'avais doublé aussi avec les chœurs d'enfants, les chœurs classiques. Je vais mettre que les chœurs classiques pour voir. Ça, c'est trop classique. Mais alors, j'avais doublé, je ne sais plus pourquoi. Peut-être pour renforcer un peu la mélodie et pas mettre que des chœurs étranges. On écoute les deux. Et on a derrière les chœurs qui fluctuent là. Voilà, je rappelle qu'on est dans un rêve, c'est étrange. Sont super ces cœurs, mais il faut trouver l'occasion de les placer, quoi. Il faut un projet pour ça. On ne peut pas utiliser ces cœurs-là un peu étranges qui fluctuent n'importe où, n'importe comment. Là, encore une fois, on n'est pas dans de l'épique, quoi. On est dans de l'étrange. Et là, ça fonctionne, je trouve, vraiment bien. Donc, bah, merci Solstice, hein. Merci Spitfire. Eh bien, on continue. Alors là, je vois que j'avais mis une guitare. Alors, une guitare, hein, pas une guitare, parce que moi, je suis guitariste. Mais là, j'ai mis une guitare VST, donc qui se joue sur un clavier. Bah, la bonne guitare, voilà, hein, piquet de nylon, hein, de chez Native Instruments. Elles sont très belles, ces guitares. Hein. Harmonique. Voilà, et en arpège. Hein. Les harmoniques. Bref. Bon, pas grand-chose à montrer ici. Là, je vois encore du solstice, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ah bah c'est une guitare. Guitare électrique, pareil, avec un côté un peu étrange peut-être. Ok. Bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Puis de toute façon, il y a beaucoup de VST, beaucoup de sons qui viennent de temps en temps avec parcimonie. C'est pas rempli tout le temps, bien sûr. Et je vais même faire une autocritique tout de suite pendant que j'y pense. Mais je pense que j'ai dans cette musique, c'est pas ma meilleure musique, c'est pas ma meilleure compo. Je trouve qu'elle est un peu trop surchargée. Mais bon, bah, le jury a été sympa quand même. Ah! J'ai donc utilisé, bah oui, des sonorités électro, bien sûr, hein, avec Mosaic Lead. Enfin, je dis bien sûr, c'est pas. Voilà, je le sentais comme ça. Et puis bon, l'électro, c'était peut-être, j'avais mis ça pour dynamiser un peu, pour donner un peu de pulsation aussi. Alors là, je vois qu'on est encore une fois dans la série Mosaic et donc encore un peu électro, hein. Ah, c'est très bien ça. Ça donne vraiment une sensation de suspense même. Ça fait le taf. Alors, on a encore du Mosaic Tape, le même VST. Alors là, qui va faire quoi? On va écouter ça ici. Ok.
Ah ouais, plutôt sous forme de nappe. Vraiment, je redécouvre. Hein. Je me rappelais pas du tout avoir utilisé ce genre de son, une nappe. Alors ça, j'ai envie de l'écouter uniquement avec les chœurs de étranges de chez Solstice. Je pense que là, on va être vraiment au cœur de l'étrange, les amis. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous sentez bien quand vous écoutez ça? Est-ce que, comment vous vous sentez? C'est un peu flippant quand même. Moi, j'aime bien. Hein. Donc, voilà. Alors là, je vois du toundra. Non, c'est pas ça. Toundra. Toundra, oui, d'accord. Toundra, bien sûr. Toundra, c'est toujours une collection de chez Spitfire. Avec des sonorités assez froides, si je ne dis pas de bêtises. En même temps, bon, ça correspond bien avec l'image. On va écouter. Voilà. Là, vraiment, mais des cordes de chez Toundra. C'est pareil, c'est un VST que j'utilise pas beaucoup et pourtant, je l'adore, ce VST. Je trouve très subtil. Mais pas facile à utiliser n'importe où, n'importe comment. Là, c'était vraiment l'utilisation parfaite. C'est froid. Des cordes classiques, on peut. Hein. Voilà, on entend le frottement de l'archet. Il y a aussi, je pense, une capture du son, du sample qui est fait d'une certaine manière, peut-être avec des micros spéciaux, je sais pas. Là, je m'y connais pas, mais voilà, on a vraiment une sonorité intéressante, vraiment froide. Et intime, où on entend vraiment l'archet, le frottement, le débruit de la corde. C'est assez froid. On n'utilise pas Toundra pour de la musique romantique, pas du tout, du tout, ni de la musique épique. C'est vraiment. Pourtant, on joue vraiment des notes, mais il y a quand même un côté ambiance, quand même. Donc, toujours Toundra, mais cette fois-ci avec des bois. Voilà, là, on va entendre le souffle. Presque la respiration de l'instrumentiste. Voilà, puis c'est aussi une note qui fluctue quand même. Hein. Donc, voilà. Là, je vois qu'on est de nouveau dans du solstice. Et je crois donc ce sont donc des cordes, ça. Solstice avec des cordes qui vont fluctuer, je crois. Allez voir ma vidéo sur comment composer une musique de film d'horreur. Là, j'ai beaucoup utilisé ce type de cordes. Voilà, avec un son qui tremble, qui évolue. Alors ça, c'est le style de VST qui est vraiment à utiliser en jouant peu de notes. On ne peut pas s'amuser à jouer une mélodie ou changer d'accord à tous les temps, faut vraiment laisser l'accord positionné et c'est le son qui fait tout le reste en fait. C'est l'évolution du son. Voilà, c'est le côté la fluctuation qui évolue, qui parle en fait et pas mettre beaucoup d'accords. Là, je suis resté sur un seul accord par exemple dans ce passage et même les autres passages, hein, même là par exemple. Voilà, il y a une dissonance. Alors, pour faire des dissonances, c'est parfait. Hein. On continue. Toujours avec Solstice, ben je savais bien qu'il y avait beaucoup de Solstice. Ah, c'est très discret. Hein. Petite note aiguë dans les violons, voilà, qui... Voilà, je voulais pas laisser de silence. En général, je laisse pas de silence, de toute façon. Là, je voulais pas laisser de silence, hein, à mon habitude. Et du coup, mais je laisse pas de silence, mais dans ces cas-là, je mets ce style de sonorité, hein, très très légère, très transparente. Et là, Solstice ou Toundra font vraiment l'affaire. C'est-à-dire qu'on laisse une présence avec une note, mais ça va, ça c'est pas un son épais qui va alourdir. Là, c'est très léger.
Alors certains diront que c'est peut-être pas nécessaire. Bon, moi je le fais, je les voilà. Manifestement, ça a quand même plu. Et puis de toute façon, c'est léger, hein. Voilà, c'est une sorte de petit firmament, je sais pas comment dire, un petit fil là qui reste sur un suspens, mais très léger qu'on voit à peine. Et voilà. Donc je crois qu'il n'y a aucun silence dans tout ce que j'ai fait. Bon, on y réécoutera tout à l'heure. Ensuite, encore du solstice. Ah, mais là, je crois que c'est un célestat. Ouais. Et là, le célestat de solstice, il est un petit peu particulier dans la sonorité. C'est pas un célestat normal, j'allais dire. Il est un petit peu plus étrange. Bon, je ne vais pas comparer en chargeant l'autre, mais le en chargeant un célestat normal, mais je sais qu'il est un petit peu plus étrange, celui-là. Voilà. Alors, on va passer, bah, on a bientôt fini, hein, avec les drums. Alors, pour les drums, oui, j'avais utilisé Solstice, évidemment. Et ça donne ça. Bah, c'est très discret, là, les drums dans Solstice. Voilà, on a fait le tour des VST, donc il y a un maximum de sons quand même un peu étranges entre la collection Solstice et Tundra qui donnent des notes fluctuantes et avec des sonorités un peu transparentes. Hein, on n'est pas dans l'orchestral classique ni épique. Voilà, on peut laisser sonner une note et c'est le son qui va faire le reste, j'ai envie de dire. Hein. Et puis voilà, avec donc on a vu beaucoup aussi de claviers. Pour quand même faire des mélodies, voire marquer un rythme, marqué ou par un arpège ou une rythmique. Donc, le clavier, c'est une sonorité froide, le clavier, hein, à la base. Lorsqu'on a des cordes normales, enfin, j'avais utilisé des cordes solo, parce que les cordes solo donnent un côté plus étrange que des cordes en ensemble. Les cordes en ensemble, ça va faire trop, trop romantique. Et les cordes en solo, et ça donne un côté plus contemporain, plus moderne, plus voilà. Et puis les voix, bah, les fameuses voix, hein, notamment les voix de Solstice, là, fluctuantes, qui je trouve sont vraiment parfaites pour ce court-métrage. Alors la structure du film, je vais peut-être laisser défiler tout simplement la musique. On va regarder en même temps les images. Je sais pas si je laisse le bruitage, peut-être pas. Mais encore une fois, je m'excuse du mixage qui est un peu pourri. Donc, voilà, il y a peut-être des sons qui sont trop forts par rapport à d'autres. Désolé, voilà, on va faire avec. Alors ça démarre dans une forêt. Et dans une forêt, comment dire, on est à la place de la personne qui avance. On est à la place du personnage. Et on ne sait pas qui c'est, mais on est à sa place. Voilà, on voit que ça avance. Et là, on découvre le personnage. Voilà, en fait, on est à la place de la personne qui rêve, qui marche dans une forêt, et puis elle découvre une autre fille. Qui est là, qui est très étrange, quoi. C'est voilà, c'est un peu la Dame Blanche, quoi. On la découvre un peu entre les arbres, en petite tenue, en plein hiver. C'est qui? C'est quoi? C'est un esprit? C'est voilà, c'est étrange. Donc j'ai mis une musique à la fois étrange, mais un petit peu féerique, parce que c'est pas non plus un film d'horreur non plus. Hein. On n'est pas dans un film d'horreur là. Donc y a rien de méchant finalement. Hein. C'est juste une forêt, c'est étrange, mais. Il n'y a pas de monstre. Voilà, il y a juste cette fille qui est là. Alors le crescendo qui marque le moment où on la voit. Mais voilà, on voit juste une espèce de folle, hein, finalement, qui est là dans la forêt. On sait pas, voilà. On sait pas si elle va nous faire du mal ou si on sait pas. Voilà. C'est étrange et avec une petite touche de féerie. En tout cas, c'est ce que j'avais souhaité faire. Voilà, bon, le générique, enfin le générique, le titre. Là, on arrive dans une scène
où il se passe rien. Il y a cette fille qui est dans la rue, là, voilà, qui est en train de lire. Voilà, j'ai repris le thème en arpège qu'on entendait au début, je leur balance. Voilà, c'est une espèce de leitmotiv qui revient. Et là, elle voit le personnage qu'elle a vu donc dans son rêve. Et voilà. Voilà, le bam, l'espèce de son un peu électro là qui tombe, on dirait un son, enfin c'est un son de piano dans les graves avec comme un delay qui tombe au moment où la fille elle passe, puis après on la voit pas aller dépasser l'arbre. D'ailleurs, je me pose la question, comment ils ont fait ça au fait? Il y a un petit montage là. Elle s'arrête, non? Ça a été coupé, je pense que ça a été coupé, en fait il y a deux plans peut-être, bon bref. Tiens, bah dites-moi dans les commentaires. Voilà, il y a un côté peut-être un peu vieille école dans la manière d'avoir mis la musique avec une flûte basse. La flûte basse, ça me fait penser un peu aux téléfilms policiers des années 70. Voilà, c'est marrant. Elle mène sa petite enquête. Voilà, une petite percu parce qu'elle a le cours. Hein. Donc, pas la peine de mettre des cordes, voilà, ça sert à rien. Hein. Ça doit rester très léger, tout cela est très léger. Donc, la flûte basse qui nous donne un côté. Une flûte basse qui joue quelques notes un peu bluesy. Ça donne un petit côté enquête, hein, voilà, un peu espionnage, mais gentil. Hein. Et puis, la drum qui démarre quand elle court. On retrouve le thème. Parce que là, on voit le personnage mystérieux. Voilà, ça accélère au niveau de l'orchestration. Parce que voilà, ça s'accélère. Enfin, c'est pas que ça accélère au niveau du tempo, non. Mais je veux dire, ça s'intensifie parce que voilà, elle s'en rapproche quoi de ce personnage mystérieux qu'elle a vu dans son rêve finalement. C'est pour aussi donner un peu de sensation de mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, voilà, voilà. Donc on intensifie le son puisque elle va se rapprocher de ce personnage-là et savoir peut-être enfin qui c'est. Alors là, normalement, il y avait un joli glissé. C'est un passage que j'aime beaucoup. Je pense que j'avais vraiment réussi ce passage-là. Quand elle lève la tête, il y a un petit glissando de harpe qu'on n'entend pas beaucoup, même voire pas du tout. Avec le violoncelle. Ah, voilà, ça s'intensifie de plus en plus, de plus en plus. Parce qu'à son retour, elle va en voir savoir qui c'est, voilà. Et puis finalement, bah, elle se réveille, c'était un rêve. Donc, on continue. Alors, jusqu'à présent, on était dans une partie étrange, quand même. Et finalement, on se rend compte que c'était un rêve, elle a rêvé. Donc là, on arrive dans une partie normale. Elle est là, dans son lit, elle se réveille, il n'y a plus rien d'étrange. Là, on est dans le quotidien, c'est banal. Et c'est pour ça que j'ai mis de la guitare. Parce que la guitare, ça donne une sonorité, basique, enfin voilà. En tout cas, ça fait pas peur une guitare. Donc au niveau de la sonorité, on est dans quelque chose d'agréable, un peu comme une balade. Et j'ai quand même laissé un petit violon derrière en tenue. Voilà. Bon, là, on a eu un gros synchronisme au niveau de la harpe. Ça, c'est un truc que je ferais plus, je pense. Mais bon, bref, c'était là, c'était comme ça. Bon, là, on est quand même dans une partie un peu, presque un peu romantique, hein, presque un peu épique quand elle tourne. Enfin, féerique, on va dire. Là, on a toujours le thème. Hein. Ta, 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 ta. C'est ce thème en forme d'arpège. Qu'on a entendu depuis le début. Hein. Et là, on l'entend toujours de différentes manières. Et là, on va l'entendre de plus en plus
de manière dissonante, hein, avec des notes qui vont commencer à devenir un peu bizarres, avec des notes dissonantes. Mais c'est toujours issu du même thème. Hein. C'est plus dissonant parce que là, ça devient bizarre, là. Alors, je vais encore une fois me jeter des fleurs. Bon, là, on l'entend, je sais pas si on l'entend bien, c'est un peu mal mixé, mais moi, j'aime beaucoup la transition entre le moment où elle est dans la réalité, devant son miroir, et elle se retrouve dans le rêve, en fait. Et là, elle découvre que, en fait, le personnage qui était dans le rêve, en fait, c'était elle, en fait. Voilà, donc on était en mineur tout le long, et là d'un seul coup aller dans le rêve, j'ai pas voulu faire nécessairement un truc flippant, même si c'est étrange. Mais étrange, ça veut pas dire flippant forcément. Donc je suis allé dans une tonalité en majeur, et non pas en mineur. Donc c'est étrange, mais c'est en majeur. Donc voilà, c'est ambigu quoi, mais ça reste étrange par les sons, un petit peu aussi par l'harmonie. Bon, je vais pas analyser là. Mais il y a peut-être des intervalles un peu augmentés ou diminués, mais en tous les cas, surtout par le son. Et puis, mais ça reste en majeur, quoi. Voilà. Là, enfin, à partir de là, on est en majeur. Donc, on n'est pas dans un truc flippant. Finalement, j'ai fait, je pense, une musique féerique, mais avec des sonorités étranges. C'est peut-être ça l'ingrédient, je dirais, de tout ce court-métrage. Donc, une musique féerique, mais avec des instruments et des sonorités étranges. Donc, on n'est pas dans une harmonie trop étrange, ça va, mais les sons, oui. Donc, on n'est pas, on est à la frontière, quoi, voilà, de l'étrange, mais pas trop, c'est pas trop flippant non plus. Parce qu'il n'y a rien de flippant finalement, hein. Elle va juste dans son rêve, voilà, mais c'est pas, c'est étrange, quoi. Et même. Ça pourrait même être un peu féerique, hein, quelque part. Hein. Elle se retrouve dans son rêve en définitive. Voilà, c'est pas plus flippant que ça non plus. Mais bon, c'est pas non plus une scène de mariage, quoi. On entend que c'est quand même étrange, hein, bien sûr. Mais l'harmonie en elle-même, je suis sûr que si on jouait ça sur un piano ordinaire ou avec des chœurs qui sont normales, enfin pas comment dire, pas des chœurs de chez Scholtz qui fluctuent là, avec des notes, avec des sonorités, des instruments normaux, je pense qu'on se rendait compte que la musique, elle a rien de flippant hein, non plus. Hein. C'est vraiment les sonorités qui sont étranges. Même si des fois il y a des petits intervalles augmentés, diminués. Voilà. Corde solo. Le synchronisme pour le noir. Bon, j'ai pas beaucoup parlé des synchronismes là, mais bon, il y en avait quand même un paquet, mais voilà, ils sont pas, y a rien d'extraordinaire à dire là-dessus. Voilà, là, on est avec un piano très froid où on entend les marteaux et des cordes solo qui donnent un côté étrange, mystique, mystérieux, quoi, voilà. Et là, dans son rêve, elle a découvert un trésor. On ne sait pas. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, les amis. Bien, bah, les amis de la compo et puis du VST, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je trouvais ça intéressant, 2 ans plus tard, de ressortir cette petite musique. Et je remercie les organisateurs de ce concours à Montréal. Qui m'ont fait confiance, qui ont aimé mon travail. Et en tous les cas, moi, ça m'avait fait beaucoup plaisir, même si je l'ai un petit peu savouré d'une manière un peu amère. Bon, je vais faire une grosse parenthèse, mais voilà, j'ai eu gagné ce concours, je crois que c'était le 8 avril, en avril 2022.
Mais voilà, quelques jours plus tard, je perdais ma maman. Donc à chaque fois que je revois ça, c'est un petit peu étrange pour moi. Donc je ne l'ai pas vraiment savouré à sa juste valeur. Mais voilà, néanmoins, j'étais quand même très content, ne serait-ce que de participer. Ça m'a fait vraiment plus de le faire, hein, même si je n'avais pas gagné de toute façon. Et puis voilà, mais j'avais quand même bûché dessus, hein, mais j'avais bûché par plaisir. J'avais vraiment aimé faire ça. Voilà, amis de la compo et du VST, n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne en bleu. C'est la chaîne des tutos de musique cinématique, mais j'ai également ma grosse chaîne guitare. Hein. Allez la voir, j'ai ma chaîne en vert qui est de la musique de relaxation, désormais avec surtout de la guitare. J'ai aussi une chaîne en jaune qui est la chaîne du vlog où je vais parler de plus en plus de guitare. La chaîne en rouge foncé, c'est la chaîne Dark. Ça, c'est une chaîne qui va vous intéresser, amis de la compo et du VST, puisque je vais... Alors, je m'en suis pas beaucoup occupé là, mais c'est une chaîne où je vais mettre des ambiances... de musique cinématique sombre, voilà, tout ce qui est sombre, hein, assez dark, hein. Mais pas forcément de la musique de films d'horreur. Hein. Je vais aussi m'orienter un peu vers de la musique de films, un peu dans l'esprit science-fiction, ou dark, mais en tout genre, on va dire. Mais toujours cinématique, voilà. Et puis j'ai fait une sixième chaîne qui s'appelle Lotus, qui est beaucoup plus anecdotique. Voilà, je vous dis à très bientôt.